Et bonjour YouTube, j'espère que vous avez la forme, ici le surfeur. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo un peu particulière. Vous savez tous du coup que c'est Noël et qu'il y a une période où c'est très rentable d'ouvrir des boîtes pour ceux qui, entre guillemets, s'en fichent de savoir quel navire ils vont avoir, mais qui sont prêts à tenter leur chance pour avoir un maximum de navires et du coup qui vont être plutôt des collectionneurs, ce qui est mon cas. Du coup, ben, j'ai utilisé toutes mes économies que j'avais accumulées sur le jeu depuis que je joue, donc en 10 mois à peu près, et j'ai acheté 100 conteneurs. Donc je suis étonné parce qu'il me semblait en avoir 102 ou un truc comme ça, mais peut-être que ça bloque à 100 et qu'il y en a d'autres qui vont apparaître derrière. Je sais pas trop. Donc ben, voilà, en ce moment j'en ai parlé suffisamment souvent dans ma chaîne pour que vous sachiez que c'est les navires, enfin c'est les navires, c'est les conteneurs les plus rentables quand on cherche à avoir des navires, peu importe quoi. C'est juste qu'on sait pas ce qu'on va avoir, il y a 16% de chance d'avoir un navire et l'accumulation des musiques là, désolé j'ai coupé ma musique à côté parce que la musique de Noël est en train de me prendre le chou. Je sais plus où c'est qu'ils ont mis ce qu'on peut avoir dans les conteneurs, mais en gros c'est 16% de chance d'avoir un navire dans cela, 9 dans cela et 2,5 dans cela. Donc moi j'ai acheté 100 conteneurs de ce type là, donc on va aller les ouvrir. Ça fera une vidéo pack opening, ce qui peut plaire aux gens. Voilà, je remets ma petite musique, donc ils sont là. Et je sais pas si je les ouvre un par un. En fait, c'est mieux pour la vidéo de les ouvrir un par un. J'aurais voulu les ouvrir 20 par 20 en fait, mais du coup, c'est pas possible. Bon, mais je vais les ouvrir un par un, c'est mieux pour la vidéo. Donc c'est parti. Bon, 1200, 12 050 charbon, ça commence. À savoir qu'au bout de 15 ou 16 ouvertures, on est garanti d'avoir un navire. 2500 doublons, c'est pas mal. Ça me permet d'en racheter derrière. Si j'ai assez de charbon, ben j'irai acheter d'autres navires avec. Des bonus économiques. Donc là, pour le moment, on est sur une truc standard, rien d'exceptionnel. Encore des bonus économiques. On peut pas dire que je sois chanceux pour le moment. 5000 XP de commandant d'élite. Il y a un collègue qui m'a dit ouvre le Mutsu. Bon, je le connais pas du tout. Du coup, premier navire au bout de 6 conteneurs. Ce qui est une mauvaise moyenne, en gros, pour le moment. Il y a un collègue qui m'a dit de les ouvrir tous d'un coup, que c'était plus rentable, que ça avait plus de chance. Bon, je me dis que c'est une légende urbaine. En tout cas, ça lui a réussi. Bon, mais du coup, premier navire au bout de 6 conteneurs. Allez, on continue. Les bonus économiques. Bon, tout ça, c'est des genres de choses dont je me fiche un peu. Ça sera bien sur le long terme. Encore des bonus économiques. Je préférerais avoir du compte premium et des doublons. Hein, comme ça, je peux racheter des conteneurs derrière. Donc voilà, 10 conteneurs ouverts déjà. Toujours pas de deuxième navire. Ah voilà, un deuxième navire, le Maya. Pareil, je ne le connais pas. Mon but dans cette vidéo, c'est vraiment d'avoir un max de navires pour débloquer des navires qui peuvent m'intéresser sur le très long terme. Allez, encore des bonus économiques. Si je peux avoir du charbon et du compte premium, c'est cool. Et des doublons, bien entendu. Ça me va très bien d'avoir des doublons, de me rembourser une partie. Ah, du coup, Lazachio, je le connais celui-là. Il n'est pas exceptionnel. C'était un navire d'ailleurs que je voulais acheter en XP libre pour éviter de le dropper. Bon, ben, du coup, je l'ai eu là. Voilà, donc là, 3 navires. On va dire que je suis à un navire tous les 5 conteneurs. C'est acceptable pour le moment. Encore des bonus économiques. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, feu des camouflages. Alors ça, c'est le pire truc. Ça se revend juste contre des crédits. Encore des camouflages. Bon, allez, ça serait bien d'avoir un petit navire là avant
On va rester, ça serait bien de rester dans la moyenne de un navire toutes les 5 conteneurs. Ben non, on a perdu notre moyenne. Bon, après j'ai des charbons à chaque fois que j'ouvre. Allez hop, 12 500 charbons, ça c'est plutôt sympa. 3 navires, on est en train de casser la moyenne. Ah, enfin, le répulse, oh c'est sympa celui-là. Bon, je le jouerai pas, c'est un navire d'ailleurs qui vous est offert. J'en profite pour le dire, quand vous êtes parrainé, c'est un très très bon navire tier 6 premium qui est offert lorsque vous êtes parrainé. Donc si vous découvrez la vidéo avec cette vidéo et que vous avez jamais joué au jeu, eh ben, en description n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage. Il est utilisable qu'à partir du moment où vous avez joué moins de 15 games ou si vous êtes un ancien joueur qui revient dans le jeu, si vous avez eu 90 jours d'absence au moins. Voilà, je ferai un petit épinglé là à ce moment-là de la vidéo pour vous diriger vers une vidéo tuto qui vous explique les bienfaits du parrainage. C'est à ne pas louper, même si vous avez commencé un compte avec déjà un tier 8, il vaut mieux recommencer à zéro avec un parrain. C'est beaucoup plus rentable, vous allez gagner beaucoup plus de choses sur le long terme. Voilà pour le petit instant pour rapport au parrainage. Et bien sûr, si vous aimez la vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, ça référence la vidéo et pensez à la regarder de A à Z. Ça permet d'améliorer les statistiques, du coup que la vidéo soit plus vue tout simplement. Ça, c'est gratuit pour vous et pour moi, ben, ça me rapporte pas d'argent, mais en tout cas ça me donne une certaine visibilité. Voilà, on continue là-dessus. Ça serait bien d'avoir un navire assez rapidement pour essayer de rattraper cette moyenne. Ah, eh ben 6 mois de jour premium, bon là ça c'est pas mal, ça me met bien. J'ai pas forcément besoin d'en avoir un dessus. Si j'en ai un deuxième, je vais pas cracher dessus, mais j'en ai pas forcément besoin. Ah, des doublons, ça c'est sympa. Hop, on continue, rien d'exceptionnel. En tout cas, à mes yeux. En tout cas, je vais en avoir des bonus économiques. Hein. Je vais pouvoir booster mon compte avec ça, des crédits. Alors, putain, alors ça, pour le coup, c'est nul à chier. Bon, on n'est pas verni en termes de drop de navire. C'est pas la folie. Ah, le premier bonus rouge. C'est vrai que j'avais oublié qu'ils étaient là-dedans, ceux-là, tellement ils sont difficiles à avoir. Un autre bonus rouge. Bon, je préfère avoir des bateaux. Là, par contre, mon ratio bateau est pas foufou, là. Ah, des crédits, c'est nul. Voilà, là, c'est la catastrophe. C'est la descente aux enfers sur les drop rates. Est-ce que ça serait pas un navire ça? Oui. Le Toulon, je le connais pas. Je ne le connais pas. Je me renseignerai dessus plus tard. Des doublons, ça fait plaisir. Des bonus économiques. Des bonus économiques. Et encore. Bon, c'est pas la folie là. Sur la quantité de drop. Voilà. Ah, un navire, je crois. C'était le bruit du navire, il me semble. Ouais, j'ai reconnu. L'exter, je connais pas un tier 5. Bon, ça, c'est un truc qui me servira pas, mais ça remplit. Ça remplit, pareil. Les navires que je possède pour. En débloquer des nouveaux. Ça serait bien d'avoir au moins un navire très rare dans l'histoire là, ce qui est pour moi j'en ai pas eu un seul. XP libre. Ah, un navire je crois. C'était le bruit du navire. Ouais, j'ai reconnu, ça y est. Le Sirocco, pareil, bon, pas, ça m'intéressait pas spécifiquement, mais fallait s'y attendre. Hein. On drop d'abord des navires communs avant d'essayer de dropper des trucs plus rares. Je l'ai souvent expliqué dans mes vidéos. C'est pour ça que j'expliquais qu'il vaut mieux que vous vous dirigiez vers les Black Friday lorsque vous êtes débutant ou s'il y a des navires qui vous intéressent spécifiquement, parce que avec cette méthode là vous voyez bien que on sait pas ce qu'on a,
et on peut avoir que des trucs nuls. J'entends par là des navires et pas terribles. Donc là au moins je vous montre ce que ça fait, vous en aurez la primeur. Après c'est bien pour gagner tout un tas d'autres petits bonus comme cela. Et ok, 43. Ah, un navire. Makarov, pareil, je le connais pas. Bon. C'est toujours pas un navire rare, hein, parce que voilà, comme je le redis, mais en fait, il y a les communs, il y a les un peu moins communs. Ah, un autre navire. Et il y a les très rares. L'Indianapolis, ça, c'est, je crois que c'est pas mal, hein, l'Indianapolis. Je crois que c'est un navire sympa. Bon. Je sais que ça se joue. Ça reste toujours pas un navire rare. À savoir que même dans les navires rares, il y a des navires qu'on peut obtenir. Ah, du charbon, là, je le sais déjà. Hop. Je sais qu'on peut les. Des navires rares, on peut les acheter avec des charbons certains. Allez. Je vais attendre que ça disparaisse ici. Ça me spoil en fait. Ah, c'est pas un navire. Bonus économique. Ah, un navire. California, pareil, je sais pas trop ce que ça vaut. Je me renseignerai auprès des copains. En tout cas, enfin, quand je les connais pas, c'est que c'est pas forcément... Ah, encore un navire. Oh, je rattrape un peu ma malchance. Collingwood, je connais pas non plus, bon. J'allais dire tout à l'heure, quand c'est des navires que je connais pas, en général, c'est pas des navires exceptionnels. J'ai rattrapé un peu ma malchance là sur quelques ouvertures. Et bonus économique. Voilà, au moins vous aurez une idée de ce qui vous attend et de ce qu'il ne faut pas faire pour ceux qui ont des petits moyens. C'est vraiment pas une. C'est le moment le plus rentable pour avoir beaucoup de navires. Et au fur et à mesure, tout se fait débloquer pour avoir les navires que vous recherchez. Mais c'est pas la chose la plus intelligente à faire quand on cherche à avoir des bons navires d'entrée de jeu. Bon, là, je commence à re-avoir du pas de bol sur les ouvertures. J'ai pas eu de nouveau un bonus premium. Bon, après, j'en ai pas spécifiquement besoin. Parce que c'est 1% de chance d'avoir 6 mois de jour premium. 16% des bateaux, je rappelle. 7,5 pour les bonus économiques. Ah, un navire. Skarnhorst, oui, bon, ok, c'est un truc qu'on peut avoir dans la boutique, il me semble. Donc, je connais vaguement le navire, c'est pas non plus un truc méga exceptionnel. Ah, encore un navire, ça fait plaisir. Lys, je le connais pas du tout non plus. Bon, un tiers 6. C'est toujours ça de plus. Encore un navire. Oh, 3 clics, 3 navires. Ça pouvait être comme ça tout le temps. Molotov, je connais pas non plus. Allez, encore un navire dont on se débarrasse. Du bonus économique. J'aurais dû compter le nombre de navires que j'ai eu, j'ai oublié de le compter, je le ferai à la fin de la vidéo, je ferai un petit récap. Un navire. Florida, bon, voilà. Allez, on continue. Des bonus économiques. Hop. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez ce genre de vidéo. Bon, je le ferai pas souvent vu que je gagne pas d'argent avec YouTube. Vu ce que ça coûte en économie sur l'année, je m'amuserai pas à en faire peut-être une fois par an, quoi, une fois par Noël. Ah, j'espérais que ce soit des doublons, mais non, c'est un coffre rouge les doublons.
Allez, des navires, s'il vous plaît. Toujours pas de navires. Du bonus économique. Toujours pas de navires. Bon, avec les sons, on se spoil du coup. Toujours pas de navire, aïe aïe aïe. Ah, du compte premium. Bon ben là, j'en ai pour l'année quoi. J'en avais déjà encore 6 mois. J'aurais jamais besoin d'en acheter, c'est toujours ça. Toujours pas de navire. Ouh loulou, ça pique, ça pique. Allez. Pas de navire non plus. Ma chance est à chaque fois vite anéantie. Toujours pas de navire. Et pas beaucoup de charbon. Pas de navire encore une fois. Ça commence à faire mal. Et pas un seul navire rare. XP libre, ça permettra... Enfin, l'XP libre, c'est pas l'XP libre, c'est l'XP de commandant d'élite. Depuis tout à l'heure, je crois que je dis des bêtises, c'est pour les commandants. Toujours pas de navire, ouloulouloulou. Ah, enfin un navire, mais je crois que c'était la pitié, quoi. En gros, la garantie. Poltava, c'est toujours pas un navire exceptionnel. Bon, j'aurais pas eu... Ah, encore un navire. Texas, ouf, alors ça c'est nul. J'aurais pas eu de navire rare. Ah, un navire sur l'avant-dernier conteneur. Strasbourg, bon, c'est toujours pas un navire que je recherche, décidément. Et le dernier conteneur. Et voilà, on va faire un petit récapitulatif sur 100 conteneurs de combien de navires j'ai pu avoir. Alors, ajout de navires, ça va être plus simple que je le pensais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18. 18. Parce que le Bliskawika, je l'ai eu autrement. 18 navires sur 100 ouvertures. Ben, je suis au-dessus de la moyenne en vérité. Puisqu'on est à 16% de chance. Donc là, si j'avais été sur une moyenne normale, j'aurais eu 16 navires. J'en ai eu 2 de plus. Donc je suis sur une moyenne hausse. J'ai pas été extrêmement chanceux. J'ai pas été malchanceux. En tout cas, sur le taux de drop. Après, sur les navires que j'ai gagnés. J'ai pas eu de chance particulière puisque aucun des navires que j'ai droppés sortent particulièrement du lot ou sont exceptionnels. Donc ça vous donne une ordre d'idée. 100 conteneurs, c'est l'équivalent de presque 330 euros si vous le faites en injectant juste des doublons. Enfin, je vais pas vous dire de bêtises. 100 conteneurs. On va retourner dans l'armurerie. Je vais couper ce son là si je peux le couper quelque part. Voilà. Donc 18 750 multipliés. Que je fasse pas un mauvais calcul juste que vous le sachiez. 18 000 du coup 750 multiplié par 5. Ouais. Donc en fait, avec 100 000 doublons, donc 360 et quelques euros, vous avez 100 conteneurs, sauf si vous profitez de l'offre
du coupon en fait que vous avez une fois par an à votre anniversaire qui vous permet, si vous achetez 162 € de doublons, donc 50 000 doublons, et ben vous avez le double, donc 100 000 doublons pour 162 €. Vous voyez à quel point c'est onéreux. Du coup, ben voilà, moi c'était les économies sur l'année. J'espérais avoir certains navires rares qu'on peut y trouver dedans. Je ne les ai pas eus, mais du coup, une fois que je les ai, ben, ça me garantit que pour l'année prochaine, ben, je n'ai pas besoin. Les économies que j'aurai accumulées me permettront de réouvrir probablement une centaine de conteneurs supplémentaires. Sachant que sur cet événement, bien entendu, on peut toujours en ouvrir puisque j'ai pas encore utilisé tous mes certificats du nouvel an. Donc je vais récupérer 5 méga conteneurs de Noël avec le Battle Pass. Je vais récupérer, il me semble, 3 méga conteneurs de plus grâce à mes tiers 10. Donc j'aurai quelques ouvertures supplémentaires. Mais voilà, c'est, si on veut imaginer, si on veut espérer avoir les 200 navires. Donc là, si je fais une moyenne multipliée, donc 16, 200 divisé par 16, on va dire à peu près pour la moyenne, juste sur une moyenne, ça fait 12,5. Donc ça fait un paquet. Il faut faire ça 12,5 fois à peu près. Donc ça ferait donc 100 000 multiplié par 12. Ça fait 1200, donc divisé, excusez-moi, je fais mes petits calculs par la même, divisé par 162. Oups, je me suis trompé. Ouais, ça fait 162 multiplié par 12. Oh, ça fait 2000 € quoi. À peu près, hein. Comme ça, vous savez ce qu'il en coûte éventuellement pour avoir tous les navires premium possible d'avoir dans les méga cadeaux de Noël. Oh, j'avais même pas vu cette animation. Ah ben voilà, en cliquant dessus on a plus d'informations, donc il vous explique effectivement que au bout de 15 ratés vous avez forcément un cadeau et vous avez la liste des navires, donc 16% de chance, 16% de chance d'avoir des navires de tier 5 à 7. Hop, je sors, c'est mal présenté leur truc. Oui, voilà. En gros, il y a 16% d'avoir tous les navires, j'en ai parlé plusieurs fois. 1% d'avoir des navires rares, dit rares. 3% d'avoir des navires de tiers 8 à 9. D'ailleurs, je crois que j'en ai même pas eu un seul. Et 12% d'avoir tous les autres navires. Donc au total, vous voyez, ça fait 71. J'allais dire combien de navires il y a au total, mais on a l'information ici. Donc 71 plus 57 plus 46, 206 navires, je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé, 71 plus 57 plus 46, 174 navires. Donc ça demande un peu moins que ce que j'ai annoncé parce que je m'étais basé sur 200 navires. Il y en a quand même 26 de moins. Mais ça fait une sacrée somme pour avoir tous les navires. Et dans le lot, ben, moi, ce qui pouvait m'intéresser en particulier d'avoir, ben, c'est forcément ce dont je vous parlais pendant les Black Friday, dont j'avais peur d'avoir un doublon. C'est le Jean Bart qui est disponible au Black Friday. Le Massachusetts qui est exceptionnel. L'Alaska qui doit être ici, voilà. Le Smolensk, j'aurais vraiment aimé l'avoir. Bien entendu. Le Smaland qui m'aurait fait très plaisir, moi qui joue DD, c'est un super destroyer pour la classer. J'aurais beaucoup aimé aussi avoir le Fujing, oui c'est un tier 5 mais j'aurais vraiment aimé l'avoir. Il est très puissant pour la classer tier 5. Bon, il y en a d'autres qui sont sympas, le Haida il est vraiment sympa, il y en a d'autres, hein, c'est pas les seuls. Donc voilà, ça permettait au moins d'avoir une ordre d'idée. Maintenant, ben, je suis reparti pour une année complète d'économie. Le Musashi aussi est très très fort. Après, je les connais pas tous, hein, je les connais pas tous par cœur. Voilà. Déjà, je sais que sur l'année à courir, j'essaierai d'acheter un maximum de navires achetables en charbon de la liste, tout comme ben, le Forest Sherman qui est achetable en charbon de connaissance. Il y en a d'autres qui sont achetables en charbon. Donc voilà, j'avais essayé d'acheter un maximum de navires de cette façon là pour déjà me débarrasser d'un maximum de navires pour l'année prochaine.
Du coup, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la petite cloche pour ne louper aucune des autres vidéos que je peux fournir sur la chaîne, comme des tier lists, des tutos, et à mettre des petits commentaires. Ça mange pas de pain, c'est gratuit et ça me fait énormément plaisir. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était le surfeur pour vous servir. À très bientôt. Ciao, ciao.